Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Il y a un plaisir, il y a l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis clôture Convention nationale Parti républicain dans Milwaukee. Candidat pour vice-président, sénateur J.D. Vance, a bien pour introduire ancien président Donald Trump dans discours d'acceptation. Nous sommes sur place, Valérie Saint-Louis. Toujours ici aux États-Unis, président Joe Biden, qui gagne COVID, campé campagne dans un moment de division, a continué dans le Parti démocrate là, sous candidature. Et puis dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Coney déclaré état d'urgence sécurité sous l'Ouest à Clatibonite dans un discours qu'il mettait devant la nation hier mercredi. Moi, c'est Valério Saint-Louis, depuis ville Milwaukee, dans l'État Wisconsin. VOA Creole sous place pour porter baou, reportage, actualité, information sous Convention nationale Parti républicain. Restez branché pour toute dernière information. Valério Saint-Louis pour VOA Creole depuis Milwaukee. Et oui, n'a pas rejoint Valério Saint-Louis depuis Milwaukee, dans l'État Wisconsin. Jeudi à son gros jour, dans le cadre Convention nationale Parti républicain, cap clôturé. Cap clôturé Jodia, eh ben, nous pourrons rejoindre Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis, Jodia, t'as coûté dit, c'est le clou de convention. Dis-nous non, et qui ça gagne dans la soirée? Jodia, nous connaissons que gagne ancien président Donald Trump qui gagne pour le prendre, qui est capable de prendre la parole Jodia pour clôturer et convention. Dis-nous non, parlez-nous de programme de Jodia. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde qui branché. Depuis Fiverr Forum, en dedans ville Milwaukee, à soir, Jacqueline, c'est clôture, la grande clôture. D'abord, on fait que des domaines là, depuis le matin, c'est plusieurs personnalités, plusieurs artistes tout, qui ont répété ce qui va passer à soir. Donc, on va mettre le paquet, Parti républicain, on va mettre le paquet pour faire un grand décacheté ça. Donc, on dit grand final ça, on dit plutôt clôture ça qu'a fait. Alors, l'ancien président Donald Trump, il va faire discours d'acceptation, nomination, il est comme candidat à la présidence. Nous déjà connaissons que c'est le clou de la soirée, le clou de convention ça même. Devant l'entrée et stadium, il faut nous dire, nous remarquer qu'il semblerait que sécurité a déjà redoublé parce que nous avons beaucoup plus d'agents et notamment des agents qui montaient sur bicyclette. Nous avons une vingtaine d'années qui ont fait le tour de l'entrée principale là, bien qu'à côté, du côté gauche de stadium, nous avons tout, il y a une ou deux mondes qui gagnent des pancartes, notamment mon pancarte et un monsieur qui était Kébénamel qui dit voter Trump, c'est voter et projet 2025. Un monsieur qui dit voter Trump et qui n'est pas bon pour l'Amérique. Enfin, des mondes quand même qui est très. Pas pile monde, deux ou trois mondes, mais devant entrer, c'est système sécurité ça qui est établi. Je pense que sécurité qui est redoublée pour assurer qui c'est la grande clôture. Mais derrière Domnala, Jacqueline, je pense que délégué, tout le monde paraît pour gros soirée ça qui pourrait louer justement ancien président Donald Trump parler et n'a précisé que c'est première fois, Jacqueline, que le pral font discours de envergure ça, il pral parler devant délégué en public après attentat assassinat ça qui était fait contre lui week-end passé à Jacqueline. Et Valério, pendant la convention ça, et en général, c'est toute gros activité, c'est le soir au fait. Mais pendant un moment ça n'a pas là, qui ça gagne, qui j'en sécurité a, et qui j'en circulation a fait dans la convention même? Circulation très difficile en dehors périmètre et stadium, dans côté convention a déroulé. Mais là maintenant, nous avons dit c'est de temps en temps, il y a des gens qui paraît sur le podium, qui a fait des mises au point pour son, lumière, et tout est sous les arrangements, ça a fait pour assurer. Et puis, évidemment, il y a des médias qui là, un grand nombre, par contre, si vous doublez pour assurer, mais nous avons une quantité de médias qui déjà a PC, ouais, si vous capable de positionner, puis capturer le moment, ça, Jacqueline, qui a pris le passé assurer, au moment que un pile mon aptonne, Parti républicain, j'aime c'est dit tout à l'heure, là, m'a répété pour me dire que yo paré puis yo mettez le paquet à soir et puis sous permettre Jacqueline en aller dans programmation à soir gon programmation quand même très achalandée gagné un programme qui pourrait le présenter surtout que thème là retourner encore une fois thème qui censé c'est thème m'tarazi thème que Donald Trump lui même choisi c'est thème préféré lui retourner avec pour clôturer et convention ça c'est make America great again donc c'est thème ça donc fait Amérique rend America plus grand encore une fois c'est thème là qui évidemment pourrait le développer par plusieurs leader, membre parti républicain qui va défiler sous podium. Non, mais ça qui est intéressant dans la programmation, Jacqueline Fomdjo, il y a des monde qui est intéressant, il y a des noms des titres qui sont faits, des monde des personnalités qui sont représentant Richard Hudson, qui est président du comité national pour le congrès républicain, qui lui-même, évidemment, a pris la parole, c'est le parti républicain qui a l'honneur à soi. Nous joignons Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État, pasteur Lorenzo Sewell, nous avons Alina Haba, c'est un avocat qui a fait partie de l'équipe de Donald Trump qui a défendu, nous songeait, dans la Cour Manhattan. Ça,
l'État en face et la justice américaine dans la cour New York. Nous gagnons une personnalité publique de la télévision, Tucker Carlson, qui lui-même c'est fondateur Tucker Carlson Network, qui a pris la parole tout, hein, nous voyons que des personnalités connues, et puis voilà, une personnalité de sport qui est très connue, puis le monde connaît Hulk Hogan, qui c'est un lutteur et qui était très connu à l'époque, c'est un artiste, un professionnel lutteur qui prend la parole lui-même tout. Franklin Graham, président directeur général Billy Graham, ou évangéliste qui peut parler tout, et puis Dana White qui c'est PDG Ultimate Fighting Championship. C'est comme si avec Hulk Hogan, avec Damsa qui a la tête UFC, qui c'est une association sportive de combat, vous voulez peut-être, hein, certains observateurs disent que vous voulez peut-être dans son message que Donald Trump son combattant, son nez qui gonne goumé et son nez qui certainement vaillant. Et puis finalement, petit garçon, Eric Trump pral parler et la personne en question, l'ancien président Donald Trump, pral accepter nomination comme candidat parti républicain, Jacqueline. On soirée vraiment bien achalandée. Yo paré à soir là et nous-mêmes tous, Véwa Creole, nous sous place, nous paré pour nous porter le barou en direct à soir, Jacqueline. Et Valérie Oguin, analyste qui dit que Madame Trump, Melania Trump, libérée par absence, m'a connaissé la place soir. Tout à fait. Li absente encore une fois à Souya. Et pas seulement à Souya. Depuis le commencement de la convention, il n'y a pas Weli. Et analyste, ça, observateur, ça a fait remarquer que même dans la campagne, ancien président, il n'y a pas de présence ancienne première dame. Melania Trump absente, c'est peut-être un bagage qu'un pile monde remarqué. Il n'y a pas parlé trop de lui. Nous remarquons même à côté de Donald Trump, depuis toute l'heure que la convention a commencé, c'était soit et petit Li. Et notamment, hier, on parlait de petit Philly, qui c'est Kai Trump qui te prend la parole. Et donc, la famille Trump défilé sous podium. Mais madame, ancienne première dame, non, li absente et observateur mentionné ça. À ce li par là, li pas même programmé pour le parler. On se demande bien, dans la petite observateur et moun qui analyse, chercher information plus pour qu'on ait ça qui passé, ancienne première dame, non, Jacqueline. Et puis, Valérie Saint-Louis, hier, c'était jour côté que vice-président et Vince Tap lui-même a fait discours d'acceptation dans un discours qui semblait tête coupée avec. Et classe sociale, classe moyenne. Nous parlons au jeune Valérie Saint-Louis qui a dit nous plus. Dans le premier discours sous scène politique nationale, la vice-président Donald Trump, la sénateur américain J.D. Vance, te paraît un petit genre agressif. Nous finissons à la question de importer main-d'œuvre étrangère. Nous parlons goumen pour citoyens américains et puis pour bon job et bon salaire. J.D. Vance relativement pas trop connu à travers pays États-Unis. Vance était décroché un diplôme dans Yale Law School. Il était servi dans l'armée américaine pour 6 années. Il était servi dans poste électif pour à peu près 1 année et demie. Dans la troisième soirée convention républicaine, c'est madame ni Usha Vance qui était présenté. Comme monde que choisi pour aider diriger pays noir qui a traversé quelques dans plus gros défis, moi reconnaissant à nous tous pour confiance que nous mettons dans lui. Mercredi soir, c'était une chance pas seulement pour J.D. Vance présenter tête li by peuple américain en public, mais tout pour prouver qualification li sous politique étrangère li. Ensemble, nous allons assurer nous que alliés nous partager fado pour garantir la paix dans le monde. Pas bien citoyens encore pour nation qui trahit générosité contribuable américain. Il y a quelqu'un délégué qui dit que manque d'expérience Vance pas trop dérangé. Walter Goodwater, c'est un délégué républicain qui sortit dans l'État Texas. Vraiment, ça n'a pas élu ici, là, c'est un potentiel leadership. Et il prouvait que il y a un potentiel leadership. Et puis, il n'y a pas un ancien grand monde rat d'Ocalé. Il y a un autre délégué qui n'a même pas de problème à critique que l'a fait dans le passé contre Donald Trump. Lori Schaefer, c'est un délégué républicain dans l'État Illinois. Moi, j'aime que les jeunes et puis les cas adaptés et puis les embrasser l'idée de l'Amérique avant tout. Ça que moi apprécie tout. Moi, pense que en battu tel Donald Trump, les cas font bon vice-président. Dans une soirée convention qui était concentrée sur fait America fort encore, petit garçon Donald Trump t'a résumé choix que électeur a fait face avec you. It's a choice between people who are proud of America and c'est un choix entre monde qui fier de America et monde qui honte de America. Et puis finalement, c'est un choix entre America en dernier et America en premier. Convention nationale républicaine pral fermer jeudi à Assoué avec discours acceptation candidat républicain pour président Donald Trump. C'est pral première fois que le pral parler en public depuis après tentative assassinat ça qui était faite contre lui. Pour VOA News, Catherine Gibson, adaptation créole Valerio Saint-Louis, depuis convention nationale parti républicain dans ville Milwaukee, État Wisconsin.
Et puis toujours dans l'actualité électorale là ici aux États-Unis, gain président Joe Biden, et ben l'a travaillé à distance après la Maison Blanche annoncé l'y contacter COVID-19. Jean-Robert Philippe, dis-nous annonce sa fête dans moment, et ben pression a augmenté sous locataire Maison Blanche là et passer ma être là ba l'autre monde pour aller dans élection novembre Kavin là. Jean-Robert Philippe. Président Joe Biden a résisté à appel pour l'abandon des courses pour le représenter Parti démocrate là dans l'élection présidentielle novembre, mettez-le en quarantaine après il était testé positif pour COVID-19 d'après annonce à Maison Blanche fait. Annonce en fait pendant président a mené campagne dans Las Vegas, Nevada, côté il était gain pour lui rencontrer organisation Latino Unidos US pour parler sous question qui affecte yo. C'est pour ça organisation ça a annoncé assemblée que président pas venir encore à cause il était c'est positif pour COVID-19. Pendant les mandats, pour me dire nous, il n'y a pas capable d'éliminer le vide comme ça. Jusqu'à ma annonce, la présidente a visité un restaurant mexicain pour lui saluer et puis faire quelques photos avec clients. Après, il a participé dans une convention annuelle NAACP avec électeurs noyaux. Pour qu'on y a, le président retourne la Kailin dans Delaware, côté lui isolé tête lui. L'idée majorité dans le Sénat, Chuck Schumer, est déclaré samedi par le président pendant une rencontre qu'il a fait. L'étape pi bon pour PIA avec Parti démocrate là, s'il mettait fin dans la campagne pour réélectionner. Hier mercredi, député démocrate a... que gain en pile, secteur, gain en pile, membre congrès, à bois en pile, gain en pile, plusieurs membres congrès, avec donneurs, bessieux, cap dit, cap mandé pour Joe Biden, resign, plus que yo ka mette yon lot candidat nan passé. Débat sa yo a fait malgré Parti démocrate a gen plan pour li nommer président officiellement nan un vote virtuel qui donc sur internet là nan commencement mois d'août là avant convention parti a k'ap démarré 19 août nan Chicago. Quelques leaders nan convention nationale Parti démocrate la mandé responsable yo pour repousser décision pour une semaine. Pendant ce temps, président Biden dit qu'il n'est pas cédé parce que lui croit c'est celle-lui-même qui est capable de battre Donald Trump dans l'élection présidentielle novembre 2024. Là. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtienne, après t'es toujours dans l'actualité électorale haïtienne aux États-Unis, côté grand pile réflexion qu'a fait sous projet 2025 que Heritage Foundation présentait en couillon deuxième révolution Sandra Lemaire. La campagne pour présidence là, ça gagne 8 ans de ça. Donald Trump te promet pour gérer bureaucratie Washington. If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington, D.C. Trump est cementé pour nettoyer, qui donc éliminer tout le monde qui impose politique gouvernement doit suivre, mais qui pas répondre à présidence là. Kounye a ligé un plan pour faire que 100 groupes conservateurs aident le créer. Project 2025, projet 2025 que groupe Zèle Droite Heritage Foundation publié by instruction sous qui j'en pour détruire l'état administratif là. Président Heritage Foundation Kevin Roberts averti processus application ta capable tourner violent. Nous en processus deuxième révolution américaine en tout cas déroulé sans aucun sang pas coulé si gauche là pas empêché nous. Après commentaire piment Bouksa, Trump t'a essayé écarter le projet 2025 et puis insisté, il n'y a pas qu'on a rien sous lit ni auteur lié. Directeur projet A, Paul Dance, t'a paraît sur réseau C-SPAN, côté il n'a pas quitté aucun doute, ses paroles avec idée Trump qui t'a inspiré projet A. Il était président pendant 4 ans, donc en pile dans l'idée, il a sorti dans le travail original. Donc, il n'a rien quoi en pile bagaille lié à premier mandat Trump. VOA et The Heritage Foundation ont interview. Institution a dit qu'il n'y a pas aucun monde qui est disponible pour parler avec nous, mais il ne voyait pas courrier électronique ou déclaration qui soulignait projet 2025 pas représenter aucun candidat. Projet 2025 cherchait éliminer frein à contrepoids moun takou James Madison, Thomas Jefferson mettait dans la Constitution, c'est-à-dire séparation pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, d'après Will Marshall, qui est président Institut politique progressiste. Il dit Madison et Jefferson t'adouer rouler dans ton boyau aussi au cas où quantité pouvoir y ouvler by prochain président. Et si président ça, c'est Donald Trump.
Trump, c'est pas un cauchemar pour le pays, si vous considérez que j'ai mal géré le pouvoir fois passé. Campagne réélection président Joe Biden fait projet 2025 tourner en cible principale. L'établi un site internet séparé pour critiquer et puis souligner réaction médias libéraux. Critics are calling it the fascist playbook. Les critiques auraient lu le livre de jeu fasciste et l'État doué une raison si ce n'est pas seule raison pour aller voter en novembre. Plan largement l'argent mandé pour couper financement gouvernement pour énergie renouvelable et changement climatique. Il a éliminé département éducation, bureau fédéral investigation, FBI, a subi gros remaniement, même genre qu'agence américaine pour médias globales qui gérait la Voix de l'Amérique. Reportage Steve Herman, traduction Sandra Lemaire, VOA Créole. N'a quitté actualité électorale et politique là ici aux États-Unis pour l'aller dans international là côté dans pays Kenya chef police provisoire et justifié yon interdiction contre manifestation dans capitale là Nairobi. Nous gain Gentil Augustin Junior qui gain détail. Dans fin journée mercredi 17 juillet 2024 là, chef police provisoire Kenya Douglas Kanja Kirocho dit que gen preuve que li ka fait confiance qui montre groupe crime organisé qui planifié pour prendre avantage dans manifestation k'ap fèt yo pour lancer attaque tankou fè piyay. Li di nan yon communiqué li pa autorisé aucune manifestation dans centre quartier commercial là dans Nairobi ak zone alantou yo sans dit pour juste qu'il est pour assurer sécurité publique là. Malgré ça, quelques militants lancent appel pour moun rassembler ak équipement kan nan pak ou qui collé ak sant quartier business là. Nous voulons li prendre responsabilité nous. Route doit aller. Ça c'est youn parce que li pa rive pren responsabilité pour nous comme peuple. En pile manifestant a mandé pour Ruto démissionner. Yo accusé li pour mauvaise gouvernance, corruption ak lanmò plusieurs dizaines manifestants nan rassemblement qui était fait déjà contre gouvernement. Ruto très incompétent. Li pa gen aucune compétence nan gouverner. Li seulement vle titre président pays ça. Nèg ça, c'est yon mannequin pour FMI. Quelque soit ça li fait li pour Fonds monétaire international. Li pa dirige pays ça dit tout. Manifestation yo te créé pi gros crise qui rivé dans deux premières années président William Ruto sous pouvoir et yo te continué malgré gen moins moun nan yo kounye ya. Même après président te retiré projet pour mettre $2.7 billion augmentation taxe sous pays ya et puis révoquer presque tout gouvernement liya. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci, gentil, restez branché. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité à mener dans le pays d'Haïti. Côté policier Kenya avec une unité spéciale dans la police nationale là, ils ont mené opération dans le pays d'Haïti. Nous avons sous place Steven Aristil. Plusieurs policiers kenyans qui étaient accompagnés à quelques agents dans l'unité SWAT ont mené une opération reconnaissance dans quelques rues qui situent dans le centre ville Port-au-Prince hier mercredi 17 juillet 2024. On a souligné pour le public là, opération s'est lancée 24 heures après le deuxième contingent kenyan arrivé dans le pays. Nous avons remarqué plusieurs chars blindés et police kenyans ont tiré leur arrivée dans la zone rue des Kazennes. Jusqu'à présent, pas aucun rapport ni bilan qui sorti sur l'opération si là. Pita na aswe, Premier ministre Gary Koné déclaré état d'urgence sécuritaire sur 14 communes dans le département l'Ouest à Katibonite qui en bas contrôle gang à Xamio. Il était tout profiter occasion ça tout pour mander journalistes médias en ligne pas suivre et pas couvrir opération policière bien pour mener contre gang yo. M'a profiter dit nous tout pendant m'a saluer gros travail journalistes surtout dans médias sociaux cap couvrir sous qui gens la police acclamé à protéger population. M'a demandé yo éviter faire reportage cap bay bandi yo information sous position force l'audio à qui gens opération yo a déroulé quitte reportage ça en direct quitte li pas en direct. Merci Steven Aristil de Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique.
prend la parole hier soir côté l'aborder plusieurs questions, notamment question sécurité. Et tant que nous sommes tendus là, et bien il déclarait état d'urgence sécurité pour deux départements, l'Ouest et la Tibonite, dans quatre décisions pour couper gang Améo. Et puis, dans le cadre de réaction sous discours avec décision état d'urgence, ancien sénateur Patrice Dumont bat bravo pour décision. Il y a un reportage, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. État d'urgence, pour le gouvernement, les outils et instruments nécessaires pour agir, couper les bandits et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Premier ministre Gary Conny n'a eu adresse à la nation dans la soirée mercredi 17 juillet 2024 là qui annonçait état d'urgence sécuritaire dans deux départements géographiques pays d'Haïti, la Tibonite avec l'Ouest, avec dans 14 communes région Sayo. Yon démarche en thème réaction qui joint approbation ancien sénateur Patrice Dumont. Premier ministre qui parlait hier soir et gouvernement entier dans son entièreté, c'est en bonne mesure. Moi-même moi quoi la facilité travail et police là que c'est au niveau d'Akadi police nationale là et au niveau Kenya yo. Et en fait, faut nous parler d'une seule voix. Kenyan, police nationale et la Médaïti et puis population pour nous sortir de la situation terrible ça que population Haïti a hier. Mais en tant que ancien sénateur Patrice Dumont, qui ça est à d'urgence sécurité à yé. Nous voyons que Premier ministre Gary Conny pas bah trop de détails sur ça. État d'urgence, c'est une décision d'État qui limitait et liberté individuelle. Ce qui est important, qui limitait certains droits compte tenu de une situation qui gagnait, qui exceptionnelle. Situation était capable, c'est un gros moment cyclone. Il était capable, c'est tremblement de terre là. Et à ce moment-là, pour être capable de rétablir l'ordre, faut qu'il prenne des mesures exceptionnelles. État d'urgence là, c'est une mesure exceptionnelle. Il dit qu'il doit même arriver dans une situation d'état de siège. Parce qu'en fait, c'est dans la guerre que Gagnon mettait le pays d'Haïti. Ancien parlementaire souhaitait gain bon genre harmonisation entre 9 membres du conseil présidentiel transition et Premier ministre Gary Conny dans prise décision d'État. Oui, dans tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien toujours dans le pays d'Haïti, gagnant ULCC, lui-même unité lutte contre la corruption, l'a mené enquête sous plusieurs ministres dans l'administration, ancien Premier ministre Ariel Henry, Yves Manuel. Unité lutte contre corruption ouvrit une enquête sur 5 ministres dans l'administration, ancien Premier ministre Ariel Henry. Information ça sorti bon côté une source nous capable faire confiance, c'est ça journal Le Nouveliste rapporté dans date mardi 16 juillet 2024 là. Selon journal là, source l'en fait connaître ULCC a enquêté sur ancien ministre Affaires sociales, ancien ministre intérieur concernant dossier direction immigration et émigration. Enquête la concerne tout ministre travaux publics transport et communication. Enquête la concerné ministre haïtien qui vivent dans pays étranger et affaires étrangères concernant représentation yo dans pays étranger. Enquête là déclenchée soit par signalement soit par saisine d'office selon ça journal là fait connaître. Ministre affaires étrangères et culte Dominique Dupuis récemment mandé ak ULCC pour mener une enquête sur ministère la dirigé ministère affaires étrangères sans compter ministère haïtien vivant à l'étranger. 24 juin 2024 qui saute passé là, madame Dupuis écrit ak directeur ULCC maître Hans Ludwig Joseph côté mandé pour ouvrir une enquête qui couvre période octobre 2021 à juin 2024. Chef gouvernement Gary Conny récemment annoncé li pral pran rapide une série de dispositions pour capable courir derrière phénomène corruption nan mitan administration publique là. Une décision qui fait suite à une importante rencontre li té organisé avec expert national cadre fonction publique en matière gestion efficace ak bonne gouvernance nan pays et surtout bataille contre corruption. Pour renforcement gouvernance là et transparence pendant période transition, Dr. Gary Conny fait connaître gouvernement l'a dirigé à travail sans prendre souffle pour capable montrer de plus en plus transparent
et puis intégrité dans gestion affaires publiques pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. ONU Femmes publie un rapport sur situation à calamité femmes actifies qui vivent dans abri monde déplacé. Marie-Luce Pierre gagne détail. D'après un dernier rapport ONU Femmes, conditions la vie tête chargée avec manque de sécurité, 300 000 femmes actifies déplacées ont vin pi grave à cause instabilité politique qui a continué. Violence gang qui a augmenté avec saison cyclone qui menaçait les îles Caraïbes la pi plus. Avec femmes actifies qui représentaient 54% dans 580 000 moun qui déplacés en dedans pays à Haïti, nouveau évaluation rapide sexe l'ONU Femmes montre qui j'en crains au gain nécessité pour éléments de base moun utilisés et puis femmes actifies actifie toujours vivre en bas menace violence sexuelle. Rapport a qui fait dans plusieurs sites dans la capitale la Port-au-Prince qui gagne plus monde montre plus fort quand yo dans blackout. Yo pas gain toilette et moun sa yo qui dans camp sa yo a vivre chaque jour en bas menace gang armé. C'est un danger tous les jours côté balle qui prend la vie moun qui donc moun sa yo dans gros nécessité pour protection et sécurité. Agression contre femme actifie puis et spécialement viol. Ces amis ont utilisé dans Pifokanyo comme une tactique bien calculée pour contrôler possibilité pour femmes rejoindre une assistance humanitaire qui est disponible. Sondage ça qui fait sous seulement 2% femmes rapporté you gain your leadership dans gestion site déplacé et il est urgent pour garantir participation active femmes actifie dans prendre décision dans kanyo et puis mettre en place mesures protection immédiate pour femmes actifie qui a fait face à menace chaque jour. Directeur exécutif l'ONU Femmes, Sima Baou, déclaré rapport nous en dit nous, niveau insécurité et brutalité, parmi aux violences sexuelles, que femmes a fait face en bas mais gang armé en Haïti, pas gain pareil. L'idée suspendre courrier là, nous encourager équipe qui fait monter sous pouvoir pour prendre mesure pour faire face à violence sous femmes actifie ou subi. Et puis, augmenter participation femmes yo, dans gestion kan yo, pour qu'à coûter inquiétude yo, sous sécurité yo, et puis agir sous yo. Aide humanitaire doit distribuer sans danger d'après besoins différents femmes actifie yo. Sondage a révélé tout, plus passé 88% dans femmes yo interviewé yo, pas gain aucun sous-revenu dans kan yo. Qui donc, plus passé 10% d'y obliger la gecoyo dans prostitution, ou soit, y envisager faire possibilité pour faire même une fois, pour faire face à besoin yo. Environ 16% femmes y étaient interviewées dans le cadre de sondage ça, d'y senti yo intimidé, menacé, traumatisé devant gang armé, violent, et 70% déclaré que y affecté mentalement à cause violence là qui augmentait. Seulement 10% femmes y étaient interviewées yo, dit y ont accès à soins santé dans camp ou déplacé. C'était un résumé rapport nouveau évaluation rapide sexe l'ONU Femmes qui était réalisé grâce à un questionnaire qui a été interviewé 98 moun et fait discussion avec 140 femmes actifies. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre et c'est là n'a metté fin dans le programme nan, mais nous avons un programme spécial à Soya dans occasion clôture. Convention nationale parti républicain et Asroya, ancien président républicain Donald Trump a bien pour prendre la parole pour accepter nomination parti à fait de lui pour les aller représenter parti républicain dans élection qui fixée pour 5 novembre 2024 là et dans mois d'août là pour le gain et convention nationale parti démocrate là. Et nous content de ce que nous t'ai servi ou pas oublier pita à Soya n'a gagné un programme spécial à partir de 8h30. Moi c'est Jacques Labelizer, on merci Franklin pour participation, Jean-Marc Hervé Abela, Sambier Hélène Bonzamino. Donc Kebela Palagé, c'était VOA Créole. Gazen rue pavé côté que bandit 5 secondes mais bandit qui fait partie organisation criminelle vivant ensemble côté que yo rivé attaquer et vider balle sous plusieurs chablende qui te gen la donne officier kenyan yo alors en pile dans officier kenyan pour me dire comme ça et puis plusieurs policiers
débat a fait concernant sa criveillant. Et ça poussé que autorité policière dans plus haut niveau yo. Ça poussé tout conseil présidentiel yo mettez avec chef gouvernement Gary Conny comme chef CSPN pour yo réfléchir et regarder, réviser, réanalyser question insécurité dans pays. Nous toujours dit nous même ici là. C'est vrai que nous pas qu'a dit que n'a encouragé pour résoudre question insécurité par violence. Comme si m'a dit que entrer dans ghetto yo tout les jeunes garçons qui zame dans main yo et faire ci faire ça non. Nous pas jamais encourager ça dans façon ça. OK. Et je que nous toujours dit tout. Question insécurité à dans pays d'Haïti. Lycée en machine. Lycée en chaîne. Et ça prend plusieurs années pour yo ba nous ça comme insécurité. Yo rend pays à invivable. Côté haïtien pas qu'à vivre. Sous bout de ça 27700 km2 hein. Zanset nou yo. Et wo nou yo. Yo te goumen. Pi yo te banoun. Yo te bat à l'époque pi gwo lame ki te gen nan moun lan. Lame française. Pi yo te banoun si bout de sa libre pou nou vivre. Jodi an c'est triste. Le ke map gade. C'est même pour haïtien frère Axel que yo utilisé pour yo capable détruire même nous-mêmes encore comme haïtien. Même nous-mêmes encore comme haïtien, c'est nous yo qu'on utilisé. Parce que jeune garçon comme dans ghetto qui est sur c'est petite Marie, petite Marie-Jeanne, petite Jeannette, petite Joséphine, petite Jocelyne, c'est petit moun sa yo yé. Les souvent qu'on tendait à parler de Izo. Izo c'était un ancien un petit jeune garçon qui a vendu tom pour aller au gan. En pile nan nèg yo. C'est le petit moun qui levé qui fait en dans ghetto et qui levé qui grandit en dans ghetto. Mais je dis hein, c'est eux même qui tournent poison pour ghetto. On se comprend. Je dis là, c'est eux-mêmes qui tenaient poison pour ghetto. Hein? Et ils acceptaient, pour yo utiliser yo. Hein? Yeah. Yo accepté pour utiliser yo pour yo capable détruire même moun qui semblait avec yo parce que je dis hein qui est ce qu'a vive dans quartier défavorisé yo qu'est-ce qu'a vive en quartier défavorisé yo. C'est même nous-mêmes encore. Yeah. Yeah. Moun kap vive. Nan quartier. Défavorisé yo. C'est même nous-mêmes encore. Je dis an c'est. Ça fait mal en pile. Les noue, les n'gade, c'est moun sa yo ap utilise pour capable détruire, piquer, dévorer, même moun nous même qui sorti en de ghetto ensemble avec yo. Je dis en laissez me dire non.
Ça arrive mercredi 17 juillet hein? En bas de la ville, dans rue des casernes, rue pavée, que un groupe jeune garçon armé décide d'attaquer plusieurs chars blindés avec des officiers kenyans et policiers haïtiens. Ça traduit et ça montre que jeune garçon qui gen zam sa ou nan men an nan geto. Nèg yo pa pou la paix. Bien que barbecue, monsieur parle pou di que yo pou dialogue, yo vle dialogue, yo besoin dialogue. Et c'est lui même qui à la fois porte-parole et président organisation criminelle vive ensemble. OK. Et monsieur dit c'est eux-mêmes. Vive ensemble pas voyer aucun monde à négocier pour eux. Et pas aucun politicien traditionnel radicalé qui pral penser que il a vinn utiliser nous yo. Il avait utilisé bataille menée déjà pour faire capital politique, capital économique, selon Jimmy Cherizier dit barbecue. Je dis à l'important pour nous dire, nous-mêmes, à travers mes sacs nouvelles, blessé, faut pas une nouvelle. OK. Calbas Info. Racine Nouvelle Haïti. OK. N'a dit ça qui là comme insécurité hein. Ça qui là comme situation sécuritaire là. Autorité nous yon a plus au niveau dans l'État, yon pas qu'à prendre à la légère. Yeah. C'est vrai que officier Kenya yon pas connaît sa gain vraiment. Officier kenyan yo peut-être c'est tendé ou t'étendé yo dit que gè deux zones en bas la ville cette ville qui abandonné que bandi envahi bandi fait moun yo déserter de zone sa yo yo té décidé à faire une visite des lieux yo t'al fourni chè gade pour yo wè ki dégâts que nèg yo fait en bas la ville. Malheureusement, m'da dit comme ça. On boit malheureusement que n'arrivé yo dans zone sa yo bandi attaqué yo. Heureusement pour yo dans attaque bandi yo pas gagné dans aucune victime. Mais ça rivé yon pral aider au comprendre. Ça pral faire au comprendre vraiment. Situation qui existe, situation qui gagne, n'est pas une réalité qui facile. Et gens que vous peut-être comprennent, y a vinn sécurisé, bois l'état yo, y a vinn sécurisé, y a vinn comme on a dit là, délibéré, grand axe outil nous yo, pas vrai? Et sa parole l'a dit. C'est ça yo dit. Mais kounya, le ou vin en réalité, après sa rive, ok? Moins certain que
yo ap comprendre niveau insécurité, niveau violence qui y a en Haïti. Et c'est dans ce sens que PM Gary Koni, comme chef CSPN, Conseil Sécurité Police Nationale, le premier des policiers, PM Gary Koni, dans l'adresse ça qu'il fait avec Nation, dans la soirée qui était mercredi 17 juillet 2024, là, PM nan nan nos gouvernements que l'a dirigé an nan nos conseils présidentiels yo nan nos directions générales police nationale d'Haïti yo décrété état d'urgence sur Haïti. Alors ban préciser, yo décrété état d'urgence dans 14 communes qui fait partie département l'Ouest et l'Artibonite. Trois communes, dans le département l'Artibonite et 11 communes dans le département de l'Ouest pays. Yeah. Ça qui fait et ça qui baille. 14 communes sa yo, c'est de communes que autorité nan pi au niveau dans l'état yo clairement identifié que localité sa yo ou dis-moi ce que collectivité territoriale sa yo bandi acheté yo l'argent comptant. Oui. Yeah. Et pas oublier que PM Gary Koni, monsieur qui je dis a poté et qui l'a pour capable exécuter ça nous est feuille de route gouvernement. Alors, conseil présidentiel là, vous me dites comme ça. Et je que le pral exécuté là, je le dis là, adresse lien. Depuis plusieurs années, que un groupe moun décide mettre pays à genoux. Parce que, bafle moun yo comprenne, insécurité li gen pas seulement direct côté qui gen foyer de gang yo. Non. Insécurité qui établi en notre pays depuis environ 3 à 4 l'année li gen impact direct et indirect sur environ 12 millions haïtiens et 27 700 km² que comme superficie, comme espace que nous habiter comme haïtiens dans pays d'Haïti. Et PM nan dit insécurité à la cause que si moun yo pa ka aller l'école, insécurité à la cause que dans question économie pays à zéro, taux d'inflation en bas était chargé. PIB, produit intérieur brut, PNB, produit national brut, tout ça est à zéro. Croissance, inflation, bagage, c'est tête chargée. Parce que d'ailleurs, nous n'étions déjà pas un pays qui t'a produit. OK? Et haïtiens vivent au quotidien. C'est-à-dire, chaque jour qui passe et qu'on haïtiens vivent, ils dorment, ils lèvent, ils dégagent, ils lâchent, ils nous tirent pour manger. C'est qu'on haïtiens vivent. Eh bien, les que insécurité a venir dans niveau ça. Premier impact direct que le fait c'est moun qui fonctionnait au jour le jour. Moun qui c'est dans la rue puis sorti, puis a dégagé yo, puis a fonctionner, c'est moun ça qui c'est premier victime yo. Oui.
Yo se premier victime yo. Et je dis un. M'baron ki sa ou moun ap fè m comprendre. C'est tout ensemble de droits que nous gagnons. Tout ensemble de droits que qui fait obligation. Eh bien, ensemble de droits que nous gagnons. Droit à l'éducation pour tout le monde et pour jeunes nous tout. Capable ça prend dans l'université aller dans l'université ça cap apprendre métier manuel professionnel que ou apprendre ça li violer li bafouer droit à la santé jodi an n'a fait face avec une insécurité sanitaire oui n'a fait face avec San Rele, une insécurité sanitaire. Exemple dans les grands. Pigouo centre hospitalier pays, hein, et qui trouve dans la capitale haïtienne, qui c'est l'hôpital université l'État d'Haïti. Et en pile haïtien, nous rele l'hôpital général. Bien que autorité yo, il aurait pris contrôle l'hôpital général. Une semaine après, jusqu'à présent là, l'hôpital général n'est pas capable de fonctionner. Et quantité de dégâts que jeune garçon ça yo, yo fait en dedans l'hôpital général. Bagayou pas petit. L'État besoin bon jan moyen. L'État besoin bon jan moyen qui pour permettre que libre d'abord à côté gérer question sécurité hein, OK? Gérer question sécurité hein, et permettre que yo prend de disposition en termes de matériel médical, en termes de ressources matérielles, ressources humaines, pour remettre, permettre que l'hôpital général qu'elle fonctionne comme ça doit. D'accord, pas petit. Et je dis, hein, qui est-ce qui a pris soin l'hôpital général? Ok? Ok? Qui est-ce qui a pris soin l'hôpital général? 90%, 95%. Moun qui a pris soin l'hôpital général yo? Yo c'est moun qui sorti dans classe moyenne qui pa gen gros moyen pour yo ta ka di tèt yo yo pral paye un gros hôpital privé ou di mwen ce que yo pral non centre hospitalier privé yo pa gen moyen ça je dis an c'est en pile nan mesdames nou yo qui pa ka paye accouchement 60 accouchement normal oui 50,000 goud 60,000 goud. Accouchement normal. Et ça pas qu'à payer césarienne. 100,000 goud. 125,000 goud. 154,000 goud. C'est au même, oui, qu'à accoucher si moun l'hôpital général dans service maternité. Que nèg yo crasé. Même dit nèg yo bandi yo. Nèg yo crasé, ça pas qu'à voler, crasé yo, mettez tivé sur yo. Je dis, hein, Hélène garde tout. Dégâts nèg yo fait en dans l'hôpital, en dans faculté médecine et pharmacie. En dedans différentes unités ou bien options qui est en dedans faculté médecine. Ça nèg yo fait dans faculté agronomie. Ça nèg yo fait dans faculté de droit.
Ça n'a qu'à faire dans l'école infirmière, ENAT, faculté des sciences, école normale supérieure. Dégaillou loup en pile. Et ça fait demander tête moi me dit tête moi. Qui révolution? Qui modèle révolution? Barbecue comme porte-parole coalition criminelle vive ensemble. Elle te dit que yo même y a fait une révolution. Mais dans la révolution ça que nèg yo te dit a fait. On sait mes amis. Dis-moi non. Qui est dans genou? Qui est dans genou? Nous est. OK. Qui est dans genou? Que nous est. Qui c'est principal? Victime yo. OK. Qui est nan genou? Qui c'est plus qui plus victime? Et je dis hein. Laissez-moi dire nous. Je dis hein. Laissez-moi dire nous. OK. Et comprendre bien. Les que ça qu'a passé là yo. Quel que soit sorte à faire me comprendre. Que nek armé yo. Nous dit nan menon bataille. Nous dit que nous voulons mener nos batailles. Nous dit que bataille ça que n'a mené contre système nan. OK. Bataille contre système nan. Mais mal comprendre. Mal comprendre. Que bataille contre le système nous dit nous menons, c'est même malheureux. OK? Même malheureux. Qui eux même c'est des victimes de l'État ça qu'il a. Qui va faire rien pour accompagner yo. L'État ça qui là qui violer ensemble de droits que vous gagnez déjà. OK. Vin mette avec de moun dans secteur privé ou ça n'est oligarque corrompu. Mettez avec de conzé, de traite, de apatride. OK. De traite, de conzé, de apatride. Eh bien, moun sa yo, nan classe politique haïtienne, non? Que yo même tout, qui yo décidé, utiliser, mal servi, avec jeune garçon. Jeune femme sa yo en da ghetto an na pote zamba yo non même nous dit tête non. OK, nous dit tête non. Quel que soit groupe que tu capable hier, je dis a pas faire me comprendre on l'autre bagaille de
ça n'a dit n'a pas combattre. OK? Parce que si nous dit n'a font bataille contre un système, n'a font révolution contre un système, et bien qui est jodiant là cap victime? Qui est jodiant là? OK? OK? Qui est jodiant là? Qui c'est véritable victime là? Et me dit-il non, il me fait avant. Ça crive et je n'ai mercredi. L'a laissé. OK? L'a laissé avec officier kenyan yo. L'a fait comprendre que ça qui gen là yo vraiment insécurité hein. Faut qu'on prend ça très au sérieux. Et on va pas prendre à la légère. Et si jodi an là PM Gaïkoni, qui jouen aval, qui jouen autorisation. C'est pour un qui me dit le bon ça. OK? OK? PM Gaïkoni. Qui lui même jodi a jeune aval, qui jeune autorisation de conseil présidentiel yo, et avec gouvernement là, yo clairement dit que pral travail, yo clairement dit que yo pral permettre que yo rive établir sécurité la paix dans pays hein. OK, et je dis hein, faut chaque grain de monde capable comprendre. Jodi an, faut chaque grain de monde capable garder et ouais bien que nous avons situation en face de nous. Nous avons réalité que nous vivons. Et réalité ça et situation ça que nous vivons là, nous connaissons là, demandez volonté. Le mandat pile volonté, Jean KPM nan dit là, que résout insécurité, hein? Résout insécurité, hein? Nous pas plevon bon matin pour le résoudre. Non. Nous pas plevé un bon matin pour le résoudre. On voit ça? Parce que, clairement, Jean que nèg yo te déjà créé. Jean que ensemble secteur yo te déjà créé. Jean que yo te prend content yo. Puis yo te construit ba non. Niveau insécurité ça. On nous dit bien. Un bon matin, il n'est pas capable de résoudre. OK? Un bon matin, il n'est pas capable de résoudre. Et on veut que en pile dans nous, on veut que nous-mêmes nous comprenons ça. Résoudre ça que la comme insécurité dans pays hein n'est pas facile et Jean que PM Gaïkoni dit là dans adresse nation monsieur média en ligne yo. Mes amis messieurs dames frères sœurs mes amis yo en pile dans nous en nous au côté nous ka aider la police dans faire travailler en plus bien au lieu que c'est dérangé que nous ta dérangé la police nous ka aider la police dans faire travailler en plus bien au lieu que c'est ta dérangé nous ta dérangé
Et PM nan mande nou ça. PM nan di nou ça clairement. T'as pris s'il vous plaît. Question reportage en direct ou bien préenregistré pour parler des opérations déplacement policier. PM nan mande nou. T'as pris s'il vous plaît. Et moi-même, bien avant que PM nan te mande nou ça, dès que temps après image vidéo que m'te wè, qui fait journée mercredi 17 juillet, moi te vin dit, moi, hey, moi vin dit, moi, attention, ça ka passé, hein. Li pa on belle image, d'ailleurs, pas oublié, avec bandi armé yo. Yo même tout qui gagne de stratégie pa yo, yo même tout, et qui ap suivre réseau, hein, qu'ap suivre des médias, à travers images, à travers vidéos, à travers ça ben comme information, et ben ça li a fragilisé le travail. Heureusement, PM Koni parle avec nous clair. Moi c'est que confrère consoeur journaliste média en ligne yo. Messieurs dames, en nous tendant des messages là et en nous appliquer plus vigilance, OK? En nous appliquer plus vigilance et qu'a permettre que ni nous-mêmes nous protéger santé nous protéger vie nous parce que pas oublier force de l'audio les opérateurs agir eux-mêmes il va sous pas dans parmi monde qui dans sec yo comme police comme cadre même j'avais yo et vous pas dans parmi monde qui dans cadre officier yo il y a considéré comme de bandits armés ça veut dire ou pas qu'on garantie dans mais yo il y a considéré comme de bandits armés ça qui fait je pense que l'important, vraiment important, pour que nous arrivions à penser et comprendre ça gagne là, les babiti. J'assois ici, on toujours parler de ça pour nous. Nous dit ça clairement que en pile dans nous besoin rentrer la caille nous. En pile dans nous gagne de business. Nous gè kay nou. OK? Nous gè kay nou, nous gè bien nou en Haïti. Que nous redit travail. OK? Nous redit travail après plusieurs années. N'a fait 2 3 4 5 jobs. OK? N'a fait 2 3 4 5 jobs. Et puis pour jodi un bon matin ouais un bon matin on est levé parce qu'elle gen zam nan men parce que elle était les bandits comme ça parce qu'elle gen zam nan men et elle était les bandits il décide prendre sueur front OK il décide prendre sueur front. Li décide prendre tout courage. OK. Sur front et tout courage. Il décide prendre yo et puis li juste vire de l'aller. Yeah. Il décide prendre sur front et puis il dit li bandi. Il vire les têtes li bandi. Il fait affaire. Il prend caillou. Courir dit travail dans pays blanc. Il prend affaire. Courir dit a fait dans pays blanc. OK. Il soit attendu, c'est lui-même qui a tout pouvoir. C'est lui-même qui commande les zones, il prend petit tout. Il prend femme, il prend madame, il prend un ensemble de femmes et puis il décide de violer yo. Il décide de violer yo. Il décide de faire ça avec yo parce qu'elle était bandit. Parce qu'elle gagne zame nan men. Je dis, est-ce que n'a prêté garder? Est-ce que nous voulons quitter pays ça que Jean-PM Gay connaît souvent dit là? OK? Haïti pas gagne droit. Pas gen doit perdre, nous pas perdre Haïti. Haïti pas gen doit périr. PM connait dit.
et moi quoi c'est parole en peu haïtien. OK. Et parole en peu haïtien qui dit clairement que Haïti pas péri. Haïti pas gain droit péri. Et jodi an n'a essayer comprendre jodi an n'a essayer garder que situation Haïti a connait là. Nan niveau qui ont metté Haïti là de nèg individu mal intentionné mauvaise foi dans différents secteurs et surtout n'a dit secteur privé affaires haïtien secteur privé affaires haïtien en pile nan nous méchants en pile nan nous messieurs dames nous méchants pile parce que nous connaissons bien pour défendre propre intérêt nous pour nous défendre petit bagage clanique nous décider armé bay zam nan ghetto bay zam nan quartier et politiciens traditionnels nous avons fait les pour gagner élection les pour gagner élection yo même yo décider pour ces armes yo bay nan ghetto yo décider pour ces zam yo offri jeune garçon dans ghetto an soit pour al goumen pour yo al batte avec de l'autre candidat pour yo ou dis-moi est-ce que on comprend ou dis-moi est-ce que bataille pour yo ou dis-moi encore ou dis-moi encore les pral gen élection les ou vle faire de l'autre bataille encore jodi an yo décidé utiliser même moun sa encore jodi an m'ap di clair élection pral gen pour organiser dans le pays m'pa konn ki l'ap organiser OK m'pa konn ki jou l'ap organiser. Bien que l'équipe qui l'a, yo clairement dit, c'est zone, c'est mois d'août année prochaine. Oui. C'est mois d'août année prochaine, y a organisé l'élection. Y a commencé avec premier tour élection en Nouvelle Haïti. Mais pas oublier, pour élection premier tour organisé, mois d'août 2025, si bon Dieu veut. Faut gagner sécurité. Bien qu'il ait déjà commencé à travailler pour mettre campé processus électoral et conseil électoral provisoire, on dit pour mettre machine dans campé. Yeah. Parce qu'il a travaillé sérieusement là pour mettre machine électorale là campé. Parce que il a écrit ensemble secteur et qui a gagné pour voyer monde. OK. Ensemble secteur qui a gagné pour voyer monde dans conseil représentant yo pour capable former conseil électoral provisoire. Yo déjà fait ça. OK? Yo déjà fait ça. Et qui a pile secteur là qui à partir de jeudi ça yo va commencer voyer moun. OK? Yo va commencer voyer non moun qui va représenter yo dans conseil électoral provisoire. Bien que gen pile division gen pile bataille nan mitan presque même secteur ça autour par rapport avec non cap voyer non ça et pas non ça ceci et pas non ça cela bon, en tout cas ça c'est des bagailles que nous mêmes n'attend que définitivement peut-être les pouvoirs OK les autorités eux-mêmes yo ta fin décider en soi pour que yo capable rendre public OK rendre public sans rele conseil électoral provisoire là pour rendre public et les fini rendre public les ça n'a connait non chaque moun yo et qui secteur représenté on comprend non chaque moun yo et qui secteur qui yo représenté et non chaque moun yo et qui secteur qui est représenté.
Et je dis, hein, quel que soit le monde que tu es capable de dire, quel que soit la tranche que tu es capable de dire, c'est vrai, nous ne pouvons pas quitter le pays hein, pour que nous ne pas renouveler le personnel politique. Là, parce que l'élection est organisée bien d'être. Mais ça ne peut pas être que jamais il est fait. Oui. Ça pour que j'aimerais fait. Mais je dis là, est-ce que nous pourrons faire élection pour faire élection? Yeah. Est-ce que nous pourrons faire élection pour faire élection? Yeah. Est-ce que nous pourrons faire élection pour faire élection? Mais est-ce que nous pourrons faire sélection? Parce que nous souvent qu'on est et nous souvent tendez plein yo. OK. Nous souvent qu'on est nous souvent tendez plein yo côté qu'on est en pile dénonciation qui fait avec question sélection avec question ça. Question les gain élection en pile froid c'est pas élection mais plutôt c'est sélection nan moun k'ap dénoncer et k'ap di c'est l'argent au bail puis gen tel poste puis gen si puis gen ça on comprend puis gen si puis gen ça alors que nous connaît bien c'est toujours en pile magouille en pile coquin qui fait à chaque fois gen élection qu'a fait en navire et je dis là ça me que chaque monde comprendre pays n'a pas arrêté Jean Lien là. Haïti n'a pas arrêté Jean Lien là. Et en pile monde croit que faut que ça ne relé volonté. OK? Volonté et volonté ça yo. Volonté ça yo à permettre que ensemble quel que soit dans secteur qu'on sorti quel que soit dans couche qu'on sorti quel que soit force que ou appartenir avec lien. OK? OK? Je dis nous ka di que pays d'Haïti li trouvé non carrefour difficile. Pays d'Haïti li trouvé non et OK? OK? Nous avons dit que nous avons dit avec un pile monde qui voulait un autre changement pour Haïti. Un pile monde qui souhaitait un pile monde qui a demandé que Haïti pas doit être comme ça. Haïti pas supposé être comme ça. C'est je dis en sérieux. Je dis en comprendre non. En dit tête non non. Que pays n'est pas arrêté comme ça. En dit tête non non. Que société dit doit engager. Yeah. Société li doit engager. Li doit collaborer. Li doit garder nan façon que lui-même li capable aider nan et résoudre question insécurité violence qui gen là dans pays. Yeah. Il doit capable aider. Il doit capable dit tête yo mais nan ki niveau mais nan ki façon que on pral bay bou radio. Mais nan ki niveau mais nan ki moyen qui pral permettre, qui pral aider nan résoudre ensemble problème sa yo. Mais nan ki niveau? Mais nan ki moyen qui pral rive résoudre problème ki gen yo? Et je dis à nous di baga la clé. Nous di baga la clé. OK? Nous di baga la clé. Faut gen vraiment volonté. Faut vraiment gagner de gros batailles qui pour mener et qui pour rendre que société en comprenne engagement. Jacques PM Gaïkounen dit là engagement société
engagement paysan, engagement chaque haïtien pour voir comment qui Jean pour aider dans bataille dans résoudre sa guerre la comme insécurité. C'est vrai problème en pile. C'est vrai que bagarre difficile en pile, Jean PM nan di an. Et yo pralé mais faut nous attendre que et bataille contre insécurité j'ai que te gétan histoire dans pays là la prend temps mais après aller quand même la prend temps et après aller quand même et arriver quand même et si je dis en là nous ça qu'a passer là dans pays si je dis en là nous ça gien là dans pays bon c'est que nous pas innocenté communauté occidentale là OK nous pas innocenté non nous pas innocenté parce que quelque part yo même tout qui côté zam yo sorti qui est-ce qui fait zam ça yo est-ce que Haïti produit zam est-ce que Haïti fait zam non Haïti pas produit zam Haïti pas fait zam Haïti pas gen magasin zam ça yo en pile là yo sorti selon des experts, selon un ensemble de données, non, pile n'a ressorti, non, sud, état Floride, États-Unis. Yeah. Non, sud, état Floride, États-Unis, c'est ça, en pile n'a dit, que ZAM ça a ressorti. Yeah. Que ZAM ça a ressorti, non, sud, état Floride. Yeah. Il est sorti non, sud, état Floride. Et puisque c'est dans le sud, état Floride de sorti, ok? Puisque c'est dans le sud, état Floride de sorti, ça traduit et ça dit qui ça? Ça traduit et ça dit qui ça? Ça dit que nous avons une situation difficile, nous avons un moment très difficile et que c'est volonté qui pour gagner la caille chaque Grenadien. La caille chaque secteur, la caille chaque couche, pour yon wè, comment pour yon résoudre, pour yon wè qui gens ensemble, qu'on pral mette pour aider dans la bataille, aider dans la goumen, contre question de sécurité. Nous capables, ah oui, nous capables, mais nous besoin de volonté. Nous capables, oui? Nous capables. Mais volonté en pile que nous besoin pour nous arriver à résoudre. Question de sécurité. Et si bagay volonté ça, que n'a toujours dit, n'a fait des dénonciations. OK? Yeah. OK? N'a fait des dénonciations. Mais est-ce que n'a prêté tout le temps dans la phase de dénonciation? Ou dis-moi ce que n'a prêté dans la phase pour que l'on l'autre Haïti, pour que l'on l'autre changement Haïti dans le pays. Parce que je dis à l'essai, me dis non. L'autre Haïti, je dis, les possibles réels. Pendant que le possible réel, c'est volonté pour gagner la canochak. C'est engagement pour gagner la canochak. J'ai que PM Koni dit là, que c'est ensemble nous faire. Je ne pas oublier. Les Haïti, bon, c'est pour nous tous là bon. Moi, quand on a Haïti, on a moment ça, c'est nous tous qui souffrent en balle. Et nous tous qui payons, amis internautes. Merci en pile. L'autre émission, c'est pour Kalfou Vérité avec moi, avec Désir Venesse.